Madiam Baldiagne, journaliste bu mag bobu mom journal bi di le quotidien mu melni premier ministre Ousmane Sonko daf ko daldi xamal ne dina ko tek ci yoon waxam mom nang ko tuddi c'est une ânerie manam yefu mbam la manam di jema xebal ma jambal jagne lolou yefu mbam la parce que du façon du yalla waye nak xam nga ko xam da nga saga ba falu woro bañ ko la saga te ma jambal sax saga ko ko xam da nga pen ba falu ko xamne da nga tumal nit ba falu ko xam da nga yaqub der ba falu tu es mal placé pour wax ni journaliste wala citoyen li lañ wax wara wax wala li lañ wara to ko nan ko une fois moi je renouvelle mon soutien à Madiamal Diagne je l'ai appelé pour l'encourager j'ai publié un petit texte de condamnation de cette tentative d'instaurer la terreur médiatique dans le tir judiciaire dans le pays et je condamne de la manière la plus ferme l'avocat Bamba Cissé. Et pour l'avocat Bamba Cissé, parlons-en. C'est lui-même qui avait dit à un de mes amis, « N'est-ce pas, Moussa Diakhaté, 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 n'est-ce pas, mané ko bo démé nang ko ci bolé né wax ko né ko man bimay tek sama tank ci politique 1976 le bobu juddou gout Bassirou Diomaye fay juddou gout Ousmane Sonko ñaari at la am mané ko man nak bimay xex bowé mom non seulement juddou gout way bayam sax xamugon ci xex bi c'est ce même Bamba Cissé ki ma à peine walé ki ma menacer man koku mo né day porter plainte Ousmane Sonko alors automatiquement au lieu d'être un avocat Ousmane Bassirou ki comment s'appelle Bamba Cissé est devenu un pitbull de Sonko et ça c'est indigne xamul lu ko ci duggal mais il le fait à son détriment parce que bu fekké Sonko da am lu ko naxari mom mo wara porter plainte c'est pas à lui de parler comme si c'était le procureur de la république mais dama la wax du dorna lo xam ci euk bip na ko am crédit waxane man na tit lo ma jëmbal jagn day nax bopam parce que encore une fois ce qu'ils ont fait c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi alors amna sax ñu souligner li nga xamantene mom moy loi d'amnistie bi nga xamné jaaroon na fi am yu mu effacer est ce que tay ji gis nañu ki nga xamantene moy Badia Khaté jall na condamné nañ ko ki nga xamantene moy Amad Suzanne jall na condamné nañ ko est ce que tay ji buñu ñëwaaté def la même chose ci Madiambal Diagne est ce que du nekk ben instant duñu déllu ginnaw tuti ci affaireu gatsa gatsa ak yoyu non mais bien sûr xam nga en réalité on a xam nga la ñom loi d'amnistie xam lan mo leen ci intéressé Bassirou Diomaye fay genn na kasso Sonko genn na kasso say say yiñ tejoon tan tal réew mi genn nañ kasso ñoo ñom duñu leen déllu wat kasso waye keneen ku leen defon dara ci jamono joju dañ dal sa ko lolu moy seen programme ça di ñom ils s'en fichent perdument xam nga ñi ñu amal affaire duñ ay républicain duñ ay démocrate c'est un parti de gangster c'est un parti de voyou c'est un parti voyou et ils sont en train d'installer un gangsterisme d'état un banditisme d'état parce qu'ils ont pas excap c'est un banditisme d'état du lenen ce qu'ils veulent faire aux médias aussi du c'est du gangsterisme d'état c'est ce même gangsterisme d'état lañ bëgg appliquer à Madiambal Diagne et à la presse d'une manière générale mais ça ne passera pas. Les gens ils auront les gens devant eux. Ça dit ñom lum leen jaralon ci tay tay ba am ba ci ci ngour ñun dinañu ko jaral ci bax ba défendre la démocratie et la république du Sénégal.